Salut, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour un tuto. Alors comment mettre ces vidéos de tablette, d'Android, d'iOS, enfin un truc comme ça sur sa PS4. Alors c'est très simple. Alors déjà il vous faudra une PS4 et un PC, voilà. Alors attendez, et une clé USB bien sûr, j'ai fait oublier la clé USB. Le chargeur avec quoi vous chargez la tablette. Alors j'ai pas trop envie de filmer, alors désolé pour la mauvaise qualité qu'il va avoir par contre. Alors je vous montrerai sur PC ce qu'il faut faire. Alors vous allez dans vos fichiers. Enfin non, attendez deux secondes. Car voilà. Alors vous branchez le câble de la tablette sur votre PC. Regardez, attendez, je le branche. Attendez, je regarde. Hop, c'est dans le sens alors. Voilà, je le branche et ça, je le branche sur ma tablette, mais ça, je peux pas vous le montrer. Voilà. Alors, après, c'est bon, là, ça monte. Alors, je vais aller dans le fichier tablette. Après, c'est dans attendez. Alors, c'est bon, j'ai mis dans un dossier. Alors, attendez, car je vais essayer de focus. Ça va être chaud de focus, mais bon. Hop, alors. Vous descendez, attendez, elle est où ma souris? Là, c'est bon. Vous descendez, et moi je l'ai mis dans vidéo YouTube. Attendez. Voilà, c'est normal que je galère un petit peu. Et vous voyez, c'est celle-là. Enfin, comme moi je suis en train de filmer, là j'ai dû enregistrer. Et du coup, celle-là, j'ai dû la mettre sur mon PC. Alors, et ça, vous allez l'importer dans le dossier. Dans un dossier Share Factory, vous écrivez Share Factory en majuscule, voilà comme j'ai fait. Et après, dans ce dossier, vous créez un dossier. Vous créez un dossier qui s'appelle. Attendez. Hop. Où vous créez. Attendez, je regarde. Voilà. Dans ce dossier, vous créez un fichier qui s'appelle. Attendez. Qui s'appelle vidéo, mais vidéo vous l'écrivez en majuscule, et ben le dossier que vous le mettez dans vidéo, et puis voilà. Bon, maintenant on va se retrouver sur PS4, à tout de suite. Alors, nous voilà sur la PS4. Alors, vous lancez Share Factory, normalement vous serez dans l'onglet vidéo ou sur un nouveau projet. Alors, vous lancez dans importer des contenus. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut importer de la musique, des images, mais nous ce qui nous intéresse c'est les vidéos. Alors vous faites importer depuis l'USB. Voilà, ça a chargé. Normalement, vous n'aurez pas le message. Hein. Alors voilà, là, vous aurez normalement toutes les vidéos. Alors je suis en train de trouver un moyen sur PC, comment on fait, car sur PC, ben, ça marche pas. Alors pour les prendre, vous appuyez sur croix et après carré. Normalement, sans faire exprès, moi j'ai fait rond et ils seront dans les plus récents. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les faire pour les mettre en vidéo, car ils sont pas encore là. Vous allez dans mes projets, bon, ou dans nouveaux projets, faites ajouter clip et vous allez soit dans alphabétique ou dans par catégorie. Car regardez, ils sont pas dans les plus récents. Dans voilà, dans alphabétique, il y a tout. Et dans par catégorie, vous faites vidéo importée et il y aura ça. Bon, voilà, enfin, vous appuyez sur croix et après carré pour les importer. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis bye bye.